In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Quake 2, épisode 49. Nous sommes toujours sur le DLC Round 0. Et bien, nous avions désactivé tout ça. Et maintenant, et ben. Oh, que je t'ai vu. Oh, que je t'ai vu venir. Mon salaud. Comme je t'ai vu venir. Putain, ils aiment trop ça. Vous vous rendez compte les dégâts qu'ils m'ont fait sur ça le coup là. Ils m'ont enlevé d'un coup là. Comment tu pouvais savoir qu'il allait avoir un truc aussi franchement. Sympa, ils remettent un peu de quand même. J'essaie d'esquiver. J'essaie d'esquiver, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Je vous avoue. Beau. Mais maintenant que nous sommes revenus ici, que faire? Sincèrement, c'est pas sympa. Il a dit qu'il fallait retirer le cube d'antimatière. D'accord. Et d'accord, c'est ce truc là-bas. Obtenez le noyau d'antimatière. Ça, c'est fait. Une petite sauvegarde serait des plus appréciées. Retourner à l'usine de munitions. Ok. Effectivement, on n'a plus rien à faire dans ce niveau-là. Maintenant, il faut juste retrouver la sortie. Je me demande bien ce que c'est que ce truc-là. J'ai aucune idée de la sortie, de l'endroit où se trouve la sortie. Ça va être un peu au hasard là. Ça me paraît pas mal cet endroit. Tiens.
Ça me paraît très bien. Giovanni Panzani, c'était pas mal. Juste parce que j'ai pas envie de me refaire le chemin. On va sauvegarder. C'est jamais des fois que je crève. Ce qui est totalement plausible. Plausible et possible. Les deux en même temps. Alors, c'était complètement aléatoire, je vous avoue. Faut détruire le puits gravitationnel, d'accord, ok. C'était vraiment au hasard, j'aurais pu chercher, mais très longtemps, je pense, avant de trouver. C'est le... C'est le petit noyau qu'il y avait à l'intérieur qui m'a intrigué. Oh, il y a du berger là. C'est pas pour rien. Oh les salauds! Bande de salauds! Comme ça. Putain, en plus c'est un temps de créer tout ce qu'il faut pas. Faut pas revenir cet abruti là. J'imagine. Attendez deux secondes. Je nettoie un peu le secteur quand même. Vous savez qu'on se rapproche de la fin du jeu, hein. Je pense que vous le savez. Voilà. C'est la fin de l'unit et on va se diriger sur le dernier niveau. Perfect. Enfin, parfait. Pas vraiment, mais bon. GSM.
Bon, il s'agit normalement du dernier niveau, si je me suis pas planté. Waxy. Mal, ok. Let me out. Sauvegarde. Let me out. Bon. Vous êtes prêts? C'est pas moi. Attendez, qu'est-ce qu'on a de beau? On a de l'adrénaline, on a un double dégât. Ok. DFG super. Quoi, toi? T'es qui, toi? C'est tout? Me dis pas que c'est tout. Ne me dis pas que c'est tout. Ce serait trop simple d'avoir... un truc qui explose, ça ou bien? Non, ça va. Ça fait mal, ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas compris ce que c'était que ça. Ok, ça c'est pas si mal. Ok. Un peu de life peut-être. Est-ce qu'on sauvegarderait pas comme on a ça maintenant? J'hésite. Ah.
putain, je t'ai niqué. Je t'ai défoncé. J'ai fini par le faire quand même, hein. Quel bordel. Ah, t'es obligé de te servir du BFG, quoi. T'as pas le choix si tu veux, enfin, si tu veux faire un truc. Tu n'as absolument pas le choix. J'ai tellement galéré, les amis. Mais on a réussi. On a réussi à fumer cette saloperie, là. Ça vaut bien une sauvegarde, du coup. Oh que oui. Mais sans BFG, vous faites rien. Sans BFG, vous ne faites absolument rien. Pax, ce n'est pas fini. D'accord. Maîtriser le puits gravitationnel. Ok, et je fais comment? Putain, c'est pas fini en fait. Il y a une éclat, on prend pas. Peut-être par là. Il ne comprend pas. Il va falloir trouver comment on détruit ce puits gravitationnel. D'accord. Ok, il fallait pas sauter. Pas de problème. Par là. Je m'étonne. On va essayer de fuir le plus vite possible, mon gars. Et voilà. Ça va sauter, c'est ça? Planted their charges on the gravity well generator. Inform all remaining ground troops to evacuate the area. Copy that, Stepchild. Now get out of there. Roger. Stepchild out. Security breach detected. You are not clear for takeoff. Shit. I'm not going to make it. Stepchild Zemo. Did it work? Hell yes, it worked, Private. We're reporting total destruction of primary target and huge secondary chain reaction explosions all across the planet's surface. Nothing's living on that rock. What about the others? There aren't that many left to retrieve, Stepchild. You're one of the lucky few that made it out of that inferno in one piece. Let's get the hell out of here.
Et ben voilà les amis, ça y est, c'est terminé, 49 épisodes, presque un an sur Quake 2. Incroyable. Et ben écoutez, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré, je l'ai découvert en le faisant sur la chaîne. Je le dédicace encore une fois à l'ami Florian, qui me l'avait fait découvrir, mais j'y ai vraiment joué moi, là, pour la première fois sur ce Let's Play, donc... Un réel plaisir d'y jouer, je suis très content de l'avoir terminé, on va enfin pouvoir passer à autre chose, un autre jeu rétro, j'en ai en plus en stock, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, et puis bien sûr ce sera à vous, vous l'avez déjà certainement choisi d'ailleurs, je ne sais même pas si je vais faire un sondage, j'en sais rien du tout. Bref, merci d'avoir regardé tout ce Let's Play, merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont lâché des tonnes de commentaires, qui ont regardé toutes les vidéos, ou même une seule, ça me fera toujours plaisir quoi qu'il arrive. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, merci à tous les abonnés également. Voilà, c'est le temps des remerciements évidemment. Un petit bonjour à l'ami Kiwi, à l'ami Colin, à l'ami Brian, à l'ami Fritz évidemment. C'est ceux qui commentent le plus actuellement. Donc merci à vous et bien sûr un petit bonjour, un gros bonjour à tous les autres qui auraient pu laisser un petit commentaire par-ci par-là. Merci à vous. On se dit à très vite bien sûr. Je ne vous laisserai pas les crédits, on s'en fout cette fois-ci. Et à ciao, bye.